Ouais, tu regarde, vas mourir. On dirait une tête avec des cheveux. Mamie, regarde ça. J'ai trouvé ça dans le verger. C'est bizarre, non? C'est un remboutant. En général, l'arbre donne du fruit fin décembre, mi-janvier. Cette année, ils sont un petit peu en avance chez nous. Ça ressemble vraiment à une tête de cheveux ébouriffée. Hein? On pourrait réaliser des têtes de marionnettes pour notre spectacle. Qu'en penses-tu, Mathéo? Si même ils nous ont donné la permission, c'est parfait. Je préfère que vous utilisiez les petites balles de ping-pong comme prévu. Ces fruits, ils sont trop rares et trop précieux pour les abîmer et les gaspiller. Mais je suis de votre avis. Ils ressemblent à une tête. D'ailleurs, on appelle ces fruits-là litchi chevelu. C'est vrai qu'ils ressemblent au litchi. Hein? Une grande ressemblance. Ce petit fruit, appelé remboutan, aide à l'élimination des déchets stockés dans le rein, notamment grâce au phosphore qu'il renferme. Il est riche en vitamine C et sa consommation prévient les infections. Ah, je comprends mieux pourquoi il est si précieux. Les fruits ont tous une forme différente. C'est rigolo, pas vrai, mamie? C'est pour le plaisir des yeux, ma chérie, et aussi pour notre plus grande joie. Notre créateur fait tout à merveille. Il nous parle au moyen de la Bible, mais aussi à travers la nature. Regardez tout autour de vous. Regardez comme c'est beau. Vous savez, chaque matin à mon réveil, je remercie Dieu pour sa merveilleuse création dont nous faisons partie. Il devait être vraiment très beau le jardin d'Éden. Et Adam et Ève devaient être les gens les plus heureux du monde. Quel gâchis qu'ils ont fait. Alors qu'ils pouvaient tout gérer avec Dieu, avec ses promesses. Ce que Dieu, les enfants, a promis à Adam et Ève, bien sachez qu'il le promet aussi à vous et à moi. Il nous a promis de nous aider à lutter contre le mal. Les promesses de Jésus te rendent joyeuse, mamie. Tu en parles avec autant de joie que lorsque tu nous fais découvrir les fruits dont les nombreux bienfaits luttent contre les maladies. Ah, mamie, je sais pourquoi tu es en bonne santé. Voulez-vous vous réjouir avec moi, mes chéris? Voulez-vous remercier Dieu pour ses promesses qui nous rassurent et qui boostent notre santé? Ah oui. Alors prions. Notre Père Céleste, merci d'avoir tout fait à merveille. Aide-nous à lutter contre le mal et merci pour tes promesses qui boostent notre santé. Amen. Amen. Tu grandis, une maison nous invite et nous repose. Des jouets de jeu qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui je cause. De quoi boire et manger chaque jour à bonne dose. Pour que des joies toute ma vie explose. La 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 la.